carrés rouges. 200 par milliers dans les rues, plein d'espoir, arborant si fièrement ces carrés rouges du changement. Chaque jour sans relâche, aussi fier encore chaque soir. Vecteur du renouveau, catalyseur d'un recommencement. Les blâmes de tout briser, de n'être que des enfants rois, alors qu'ils ne sont que ce que vous n'aviez jamais osé. Et vous leur imposez ta police pour casser leurs droits. Vous qui avez renié toutes vos réelles et fondées libertés, ce n'est pas en vous réfugiant dans votre baume galop que cette effervescence sociale va pour vous s'atténuer. Il est trop tard. Le mouvement est amorcé, une fois de trop. Maintenant, qu'allez-vous faire pour enfin vous affirmer? À force d'écouter les généralistes télé vous dépeindre qu'à peine une faible partie de la vraie libre réalité, vous n'en devenez que plus imbécile, cessant geindre, car vous ne voulez pas savoir, pouvez pas, brainwasher. Arrêtez de faire vos Elvis Graton et autres gérants d'estrade. Le Québec est rendu à un de ses moments les plus cruciaux. Soit vous vous levez avec nous et arrêtez vos fanfaronnades, ou soit vous écrasez une nation et tous ses légitimes idéaux. Le carré rouge est un acte de liberté, ultime acte de courage. Si vous n'écoutez pas votre jeunesse, peuple agenouillé, laissez la chance aux plus jeunes d'être plus que vous sages. Pouvoir porter les rêves d'un vrai pays, d'une vraie identité.